L'année scolaire 2022-2023 pointe à l'horizon. Avant le début des classes, les responsables de l'éducation de base en Serbie dans la région de l'Ouest jettent les bases d'une rentrée scolaire effective et balisent la nouvelle année. Réunis à Bafoussam ce jour, outre le bilan de la dernière année, mais un regard prospectif avec des mises en garde des autorités administratives et prescriptions. Nous avons malheureusement constaté qu'il s'agit pour la plupart que les fonctionnaires qui ont déserté leur poste se comptent malheureusement pour la plupart dans les secteurs de l'éducation ou des responsables, après avoir obtenu des autorisations de sortie du territoire, ne reviennent pas à leur poste, ne signalent pas leur absence et malheureusement, et très malheureusement pour certaines, continuent à percevoir le salaire. Je voudrais les mettre en garde de ce que M. le gouverneur a mis en marche une machine pour traquer ses collaborateurs véreux. Plus de 650 000 apprenants, tout ordre d'enseignement confondu, avaient été encadrés dans cette partie du territoire l'année dernière. Que les travaux et les thématiques permettent, n'est-ce pas, d'améliorer le niveau scolaire de nos enfants, d'améliorer les résultats scolaires sur le plan sécuritaire. Comme la communauté éducative de notre région sait déjà, à cause des crises sécuritaires qui nous entourent, renforcer, n'est-ce pas, le respect des mesures sécuritaires qu'elles connaissent déjà très bien en collaboration avec les autorités administratives et les forces de maintien de l'ordre. L'Ouest veut devenir le fleuron de la performance. Plus de 372 millions de francs CFA attribués par l'État du Cameroun pour l'indemnisation de 67 familles propriétaires de terrains où traverse la ligne électrique et la centrale devant renforcer la ville de Yaoundé en énergie électrique ici à Edea. Les travaux ont été entrepris par l'entreprise et se déroulent dans de très bonnes conditions avec la participation, la coopération des populations qui ont accepté le projet à plus de 97% de réalisation. Les procédures d'indemnisation ont abouti et l'argent est disponible. Les bénéficiaires sont les populations des villages Béon, Kankanzok, Zongkong et Koukoué dans l'arrondissement des Déa Premier. Des sommes allant de 100 000 francs à 10 millions de francs CFA ont été distribués. Et nous sommes très contents avec monsieur le préfet, le sous-préfet, qui a bagarré pour ça, pour qu'on doit avoir ces indemnisations. Compte tenu de l'énorme difficulté observée dans la gérance des affaires d'argent, des bruits se sont fait entendre entre familles ici. Mon enfant a dit, maman, viens vite à au champ. On a besoin de toi, j'arrive, le chef du village est là, la commission est là. On m'a enregistré. Aujourd'hui, me voici, j'arrive, je vais entrer, on me bloque. On dit que c'est l'autre qui va toucher. Pourquoi ça? C'est quelle injustice? Je dois faire comment? Le chef est parti. Approché, l'accusé a voulu nous répondre par voie téléphonique. Tu es la base de quoi, Chita? Tu es sur la base de quoi? En attendant de voir plus clair sur ce problème supposé d'être une escroquerie, le préfet de la Sanaga Maritime, en bon père de famille, a continué de coordonner l'opération de remise des fonds ici à la préfecture de Déa en toute quiétude. Toute une unité de fabrication des pavés remise à la commune de Ngaoundal par le ministère de l'Habitat et du Développement Urbain. C'est pour permettre la fabrication des pavés par les jeunes de cet arrondissement. Un atelier est en cours à l'adresse de 100 jeunes avec entre autres modules la connaissance des différents types de matériaux, les outils et équipements ou encore les techniques de pose des pavés. Il y a un manuel qui a été soigneusement élaboré dans ce sens-là et découpé sur 21 jours. Les apprenants ont amplement le temps, que ce soit en salle, en théorie, jusqu'à la pratique. Pour le Mindu, il s'agit d'initier ces jeunes à la gestion des petites unités de production des pavés en vue de favoriser les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, IMO, promouvoir l'insertion socio-économique des jeunes en difficulté et désœuvrés, faire baisser le sentiment d'abandon
et réduire le chômage en milieu jeune. Ces équipements sont accompagnés par cette formation-ci-là pour que les jeunes de la commune de Ngaoundal puissent avoir des connaissances et qu'à l'issue de cette formation, ils puissent exploiter ces connaissances à travers le matériel dont la mairie a bénéficié. Les jeunes de Ngaoundal ont à ce titre répondu présent et montrer une certaine assiduité à suivre cette formation. Merci à Madame la ministre de l'Habitat et du Développement Urbain. Ça a m'aidé non seulement à me former, mais en plus à m'auto-employer. Et je pense qu'on va se mettre à l'œuvre quand la formation sera finie. Ngaoundal fait partie avec la commune de Bagno des deux villes de l'Adamawa, choisies par le Mindu pour abriter ce projet. Soit 200 jeunes à former. Donne les orientations. Deux cas constituent cette présentation. Pour le premier, il s'agit de deux jeunes adolescents, 16 et 18 ans, et un autre de 16 ans, qui ont orchestré l'enlèvement d'une fillette de 4 ans avant de demander une rançon à sa famille. Le deuxième cas est une autre bande de malfrats, poursuivi pour des faits d'agression à main armée, de vol de bétail et de prise d'otage avec demande de rançon. L'opération menée par les éléments de la compagnie de gendarmerie de Garoua 3e, ici à Ngon, a permis de les rattraper dans leur course. Si vous me permettez là de remercier vivement les autorités traditionnelles qui n'ont ménagé aucun effort pour que cette opération, notamment l'opération de l'enquête sur la fillette enlevée, puisse aboutir. Je voulais aussi remercier mes collaborateurs qui n'ont pas hésité à mettre tous les efforts en jeu pour que nous puissions interpeller ces suspects. Donc, je me réjouis de la collaboration qu'il y a entre les autorités traditionnelles, entre la population et les forces de maintien de l'ordre pour essayer d'endiguer le phénomène de la délinquance et plus particulièrement le phénomène d'enlèvement et de demande de rançon dans notre circonscription de compétences. La collaboration avec les populations est saluée par l'autorité administrative qui continue de lancer un appel à leur endroit. Je voudrais simplement vous dire que nous allons faire en sorte que la paix règne dans notre unité administrative. Les malfrats vont désormais répondre de leurs actes devant la justice. La vigilance est une priorité rappelée à cette population. À propos de la quête permanente de l'excellence scolaire, le diocèse de Bolova ne fera rien avec sobriété en 2022-2023. Au secrétariat à l'éducation catholique, voilà plus de 5 ans que la formation intégrale de l'homme combine avec l'ambitieux chemin des réformes. Avant de lancer une nouvelle année scolaire, on outille nos enseignants. Donc on pense que ça porte vraiment du fruit, les sessions de formation que nous tenons là. Et nos élèves également dans les salles de classe, les résultats se font de plus en plus, sont visibles. Formation intégrale de l'homme, on avance indubitablement avec cette expression faite credo par Mgr Philippe Alain Baga, père évêque et primus inter pares en matière d'orientation pédagogique. L'école catholique entretient des relations avec l'État tout en gardant sa spécificité, qui voudrait non seulement dispenser les enseignements, mais former l'homme intégral dans cette triple dimension que j'ai évoquée, la dimension intellectuelle, la dimension humaine et la dimension spirituelle. Tout en entérinant des acquis, des enseignants sont ici en quête de bons diagnostics, dimension essentielle pour la bonne qualité de leur travail. Encouragement à chaque enseignant pour que il n'ait pas honte d'apprendre nouvellement. Approche par compétence, leur guide, sœur Sylvie Assis, secrétaire à l'éducation coordonnant et l'équipe des inspecteurs parlant escalité. Évaluer notre capital intellectuel, de le diversifier, de l'enrichir. Le bon leader est celui qui a de bons suiveurs. La formule chère au manager, le prélat la connaît comme sa bréviaire. L'évêque invite les enseignants du secondaire à redoubler d'efforts, seul gage de succès. L'encyclique Laudato Si 260 du pape François demeure le canevas en matière de paradigme. D'ailleurs, a-t-on par hasard déjà vu sous nos cieux un succès venant de la perfusion? Bamena, terroir légendaire du peuple Grassfield de Bangante.
une des contrées de haute terre de l'Ouest Cameroun. Du velouté de Condré, ragoût de plantain chèvre à bouche que veux-tu, voix de plus normale lorsqu'on se trouve dans la soue des voleurs de chèvres. Le Condré, déjà, c'est une tradition chez nous de Bamena, parce qu'on appelle normalement les voleurs de chèvres. Et quand on dit voleurs de chèvres, on parle de Bamena, on parle de la chèvre partout. La chèvre, c'est d'abord notre mets traditionnel. Condré de chèvre, un plat spécial. Uniquement pour les Bamena. Uniquement. Depuis des temps immémoriaux, à l'autre fois, comme dans tous les autres hameaux de la royauté Bamena, la période de récolte a toujours été le moment de rassemblement des engeances. Les non-initiés parlent ici de réunions familiales. Répondant à l'appel des chefs de lignage dominant des domaines Kouyanke, voici le sang Bassandion, six générations après, suivant son arbre généalogique, qui continue de perpétuer un legs qui sous d'autres cieux paraîtrait quasi évanescent. L'arbre généalogique, en fait, quand tu arrives par exemple sur nous comme ça, qui est peut-être la cinquième génération, on peut, chacun de nous peut faire maintenant son arbre généalogique. Voilà. Tous les ans, entre juillet et août, et depuis trois décennies sous cet arbre à palabres, les Bassandians de tous les horizons, guidés par l'actuel Primus Inter Pares de leur lignage, profitent de l'abondante moisson pour payer des dettes d'alliance avec les aïeuls. L'arbre qui date depuis de 30 ans, c'est, nous pourrions dire que c'est tous nos esprits qui se reposent ici. L'arbre à palabre, ça veut dire quoi? C'est l'arbre où tout le monde se dit les vérités. Au-dessus de cet arbre, tu ne peux pas mentir. Échange, partage, solidarité, pénitence, le menu des rencontres des familles Grassfield, où l'on se sépare, certains de ce que les ancêtres défendront des dieux impersonnels, la prospérité de l'engeance. L'approche croix volée expliquée par le Programme alimentaire mondial aux futurs formateurs. Il s'agit de la programmation saisonnière basée sur les moyens d'existence PMSE qui vise à lutter contre la faim, améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle en renforçant la résilience. Ces responsables des délégations régionales accompagnent les actions. L'atelier concerne en réalité les régions de l'Est, de la Damawa et du Nord où le Programme alimentaire mondial a ses programmes. Où le programme alimentaire mondial intervient aux côtés du gouvernement camerounais pour apporter une réponse aux personnes camerounaises vulnérables, mais aussi aux réfugiés centrafricains établis dans ces régions. Les populations vulnérables sont les plus mises au centre. Croix jour à Bertois pour échanger et cerner les besoins. À côté de cela, analyser encre ocre le calendrier saisonnier et les zones de moyens d'existence. Et cette formation de manière globale va nous permettre non seulement de pousser davantage les réflexions sur les groupes cibles pour pouvoir accentuer les interventions des uns et des autres. L'atelier, conduit par Abel Ramadi, chef de bureau PAM à l'Est, a permis pendant les travaux de groupe de faire une lumière à mi-parcours des activités sur la PMSE dans la région. Les prochains mois, nous allons avoir cet atelier qui va nous permettre de faire des consultations communautaires participatives qui définissent ensemble avec les communautés les priorités en termes d'activités de développement. À noter que les formateurs des formateurs sont tous issus de la région de l'Est et comme boussole sur le terrain, le projet de déclaration finale conclut séance tenante.